1er avril 2022, dans la boîte à livres située à Prades, il n'y a pas que des livres, il y a des vêtements. Et Jean-Claude va nous faire la présentation de ce stock de vêtements qui ont été placés ici. Alors, nous avons pièce numéro 1, avec la marque, un joli, je sais pas, un foulard, je sais plus comment ça s'appelle, un truc qu'on met sur le dos. Alors, 1er avril 2022, après le changement de batterie, on recommence la séquence dans la boîte à livres à Prades. Il n'y a pas que des livres, il y a aussi un stock de vêtements qui ont été déposés. Jean-Claude va nous faire la présentation. Allez au boulot Jean-Claude, présentation des vêtements. Nous avons une espèce de châle de chez Exception. Voilà, pièce numéro 1. Ensuite, de quoi que s'agit-il? Un pantalon, un survêtement ou un t-shirt, une t-shirt capuche. T-shirt capuche, attention, I am the boss on skateboard. Hein, très belle capuche de survêt, voilà. Pièce numéro 3. Pièce numéro 3. Pareil, un haut de survêt. Voilà, un haut de survêt. Enfin, voilà. Quelle marque, voyons. Y a-t-il une marque? Ouais, de chez Liberto. Et c'est du 12 ans. 12 ans. Quatrième. Voilà, une petite veste, alors nous avons Carsonville 1984 Track and Field, avec un numéro 9 ici. Cinquième, encore un vêtement là, c'est petite taille de chez Adidas, fabriqué in Cambodia. Fais voir le dos. Voilà, ouais, Adidas, trois bandes, hein, oui. Voilà. On continue, alors là, une très belle pièce colorée, absolument magnifique. Une chemise. Voilà, chemise, alors, oui, présent, ouais. Attends que le vent, là, voilà, permettre de bien la filmer. Voilà, superbe pièce magnifique avec un décor asiatique. Alors, c'est quelle marque? Ah, le dos également, voilà. Le dos également. Au soleil, Jean-Claude, s'il te plaît. Voilà, au soleil, on voit bien le décor, super. A-t-on une marque? Une marque? Ouvre-la. Ouvre. Voilà, non, pas de marque. Elle a été enlevée, superbe chemise, et pour terminer un petit pull petite taille, de chez Camailleux, voilà, c'était magnifique, les saveurs de la vie, il y a des bouquins nouveaux, voilà. Voilà, c'était la séquence boîte à livres.